Lecture du livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Deuxième lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir des rangs chaldés pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut,
mal. À Géguenon, vous pourrez prendre un agneau ou un chevau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. C'est cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Lecture du livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Cinquième lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, chapitre 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait
aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, nous dit la parole de Dieu, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Nous dit encore la parole de Dieu. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, nous dit le Seigneur, dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, nous dit donc la parole de Dieu, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Verset 17, « Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il l'ordonna en disant, « Ceci est mon corps, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et verset 20, il prit de même la coupe
après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Le même chapitre 23 de Luc. On va commencer au verset 44 pour terminer au verset 49. Il était environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était un homme juste. » Amen. « Certainement, cet homme était un homme juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Luc chapitre 24, versets 1 à 10. C'est notre dernière lecture. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Quelle question! « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Que Dieu soit loué. Merci de reprendre place.